Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et on se retrouve aujourd'hui 14 décembre 2013 pour continuer à ouvrir les surprises de notre calendrier de Noël. Alors écoutez, j'appuie sur le bouton et donc le 14 décembre c'est ici. Et aujourd'hui, plus qu'une astuce, nous allons voir un concept. 14 décembre, simplification de système. En fait, vous savez, souvent je pense aux maps aventures ou aux choses dans le genre, on a besoin de faire des escaliers cachés ou des gros systèmes qui demandent des pistons et on cherche sur internet comment faire, etc. On se casse la vie. Alors moi, ce que je vous propose comme concept, c'est tout simplement un concept très simple. Voilà, qui, avec les command blocks, là bien sûr il y a des command blocks derrière ça, va nous permettre de simplifier énormément les systèmes. En fait c'est juste une idée très simple, vous voyez, au lieu de vous casser la tête à faire tout un escalier 3x3 qui s'ouvre, etc. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, avec des commandes 7 blocs, vous voyez, donc chaque commande ici a 8 command blocks, c'est assez simple. Avec des commandes 7 blocs, bah tout simplement faire apparaître ou disparaître, surtout que bon, ça gâche l'effet, si vous voulez, que le joueur ne voit pas le système s'ouvrir, ou en tout cas, si soit vous faites cette commande, vous appuyez sur le bouton sans que le joueur soit là, ou sinon le joueur verra tout d'un coup un escalier magique apparaître. Donc ça c'est à vous de voir. C'est vrai que le piston c'est assez classe dans le sens où on voit, c'est la classe, on a fait un super gros système, on voit s'ouvrir, mais quand même il faut penser à ça. Penser que quand on a des gros systèmes comme ça, grâce aux command blocks, on peut les simplifier tout simplement. Alors je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a derrière. C'est assez simple, on a donc que des commandes 7 blocs qui soit annulent donc les blocs qui étaient présents, donc il faut annuler en fait. Ce qu'il faut faire, c'est avec celle-là, il faut enlever en fait les blocs qui étaient là, mettre ces blocs ici des escaliers, et puis on est bon. C'est à ça que correspondent les 8 command blocks. On en a 3 qui mettent des escaliers qui sont ici. Ah non, il y en a plus que 8, pardon, il y en a 3 en dessous, donc il y en a 3 fois 4, ça fait 12. Il y a 12, donc il y a les 3 qui mettent ici, il y a les 3 qui enlèvent ces blocs, 3 qui enlèvent ces blocs et 3 qui enlèvent ces blocs. Et donc ça fait apparaître l'escalier en dessous. Ça, ces escaliers, ils sont déjà là dès le début. Hein, vous voyez, même quand je referme, en fait, si on creuse un trou, voilà, on peut voir les escaliers. Ils sont tout meilleurs, ils sont cachés, donc on n'a pas besoin d'en faire plus. Et puis donc de l'autre côté, c'est exactement le même principe. Hein, on en a qui recouvre, on en a eu 12 donc qui recouvre le carré de blocs de bois. Et donc voilà. C'est tout simplement une petite astuce pour vous faire penser à simplifier vos systèmes avec vos command blocks quand vous en avez besoin. Et puis sur ce les amis, eh ben on se retrouve demain tout simplement pour une autre astuce. Alors à demain.